Here we go! Press start to play! Voilà, donc je viens d'utiliser mon dernier crédit, donc c'est bien ce que je confirmais. Donc là, ce sont vraiment mes dernières chances. Si j'arrive pas là, bah, tant pis. Allez, on est parti, c'est normalement c'est la dernière partie. Voilà, donc bienvenue dans cette quatrième partie du test de Sonic the Hedgehog, j'ai oublié de préciser. Voilà, quand même pas la caméra. Donc normalement, ce sont soit les 30 dernières minutes, soit la. Peut-être 30 dernières minutes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les 3 dernières. Normalement c'est bon cette zone, je la maîtrise assez bien. C'est très pote que je ne maîtrise pas du tout, là où je suis mort tout à l'heure. Je suis mort derrière la vidéo précédente. Là la vie elle m'aurait bien aidé. Oh, je suis n'importe quoi. Franchement, la vie qu'on a pu croiser, elle aurait pu vraiment m'aider. C'est bon. Bon, la deuxième fois, elle est assez simple aussi. Ah, vu qu'elle est assez simple, je me fais toucher quand même. Je suis maudit sur ce passage là, ici. J'étais presque. Franchement, j'étais presque. Il me restait une demi-seconde de plus. Je pense que ça suffit largement. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Je crois pas que je pouvais vous montrer la fin du jeu. Bonne circonstance. Ah non! Pas sauté. Bon, la prochaine c'est bon, mais je rappelle que c'est ma dernière vie, donc voilà. Bon ben. Ah ben ça a été un fail, mais au moins j'aurais été arrivé quasiment jusqu'au bout. Donc voilà, on va faire la conclusion. Donc, vous avez pu voir, c'était un très très long test, j'en fais pas souvent. Mais là c'était vraiment tentant parce que comme je l'ai dit, le jeu il finit vraiment en deux heures de vie. Vous pouvez voir. Ah non, il me reste un continu. J'ai dit une bêtise, il me reste un continu encore. C'était
C'était le continu caché. Oula, je fais n'importe quoi. C'était le continu caché en fait. Bah, c'est parti, on continue encore. À chaque fois, tu peux y aller, je me fais avoir ici. Cette fois-ci, je la maîtrise bien. Je dois bien quand même vous montrer le dernier niveau, surtout Metal Sonic. J'en parlerai un petit peu après. Parce que c'est vrai que j'avais pas parlé dans les vidéos. Une erreur de ma part. Un petit oubli. Ça arrive. Ça c'est beau, là, ça s'assurait. Allez, monte, dépêche-toi. Oui, c'est bien, tu sais. Mais pour... à chaque fois, je me fais toujours avoir ici. Pourquoi? Non, toi, tu m'auras pas. Voilà, ouais, tu voulais m'avoir, mais tu m'as pas eu, ça va pas. Ça me fait râler parce que je meurs à chaque fois pas loin de la fin. Il y a un truc là. Moi je sais pas y aller. Voilà, fais le chute là. Comment veux-tu ne pas te faire toucher si c'est pas possible? Un bouquet me servira à rien. Oh, hop, je sors de tout. Comment j'ai fait tout à l'heure? Oui. Non. Bon. Ah. Pourquoi je... Ah, c'était par ça. Ok, alors je m'en rappelle plus par contre. Bon, je crois que de toute façon c'est la fin. Je suis un peu de vue. Alors, bah voilà, mais là c'est vraiment la fin. Là je m'en rappelle plus par contre. Alors, est-ce que c'est vraiment un feu ou pas? On va savoir. Alors, normalement, quand ça fait ça, c'est que c'est vraiment la fin. Oui, c'était la fin. Ben voilà, donc je reviens sur ce que je disais. Voilà, vous pouvez voir quand même le niveau de difficulté qui augmente au fur et à mesure. Voilà, j'ai quasiment montré la totalité du jeu par contre. Ça, c'est une chose que j'ai pas pu faire avec le premier. Mais forcément, j'ai bien joué. Le premier, j'ai joué comme un manche en fait. J'ai joué, hein, tout simplement. Et j'ai beaucoup mieux joué. Et puis c'est un petit peu ça. Voilà, là, j'ai beaucoup mieux joué. Bon, ça arrive. Hein. Voilà, vous avez vu quasiment la totalité du jeu. Il manquait juste le dernier niveau. Donc c'était le niveau final avec les deux boss. Metal Sonic, qui est un nouveau personnage aussi, j'ai oublié de préciser. Qui a été créé par Robotnik pour pouvoir éliminer Sonic. Par contre, je pense pas que j'aurais pu arriver jusqu'à la fin. Parce que même avec une vie de vie, j'aurais pas pu. Parce que j'aurais pas eu de ring en fait. Donc je me suis fait une fois et je serais obligé de recommencer. Voilà, puis à part ça c'est tout, vous avez pu voir quand même que le jeu était une bonne qualité. La durée de vie pour une Mega Drive quand même était assez longue parce que bien fait quand même une heure et deux heures presque. Ouais c'est ça, que, grosso modo il a mis deux heures, une heure et demie plutôt, on va dire. Voilà, il y a la possibilité de jouer aussi à deux, en mode multijoueur, donc peut-être les deux online, je vais voir ça. Partie coop locale. On va commencer une partie versus, hein, deux joueurs sur le Nord, bon j'ai pas testé, parce que moi le but c'était de jouer au jeu.
Non, franchement, c'est assez plaisant. Voilà. Donc, je rappelle que sur le PSN, il est à 5 euros. Donc, mon jeton. Alors, est-ce que je conseille à ceux qui aiment bien Sonic? Bien sûr, parce que c'est les tout premiers épisodes. Moi, je suis un gros fan grâce à ça. J'aime bien les Sonic en général aussi. Mais voilà. Sachant que j'ai quasiment pas joué au troisième. Parce que sur l'émulateur, j'ai pas pu avancer beaucoup. C'est très, très difficile. Donc, malheureusement, sur le PSN, il n'est jamais sorti encore le troisième épisode. Ça, c'est réglé. Déjà, vous savez que le prochain épisode de Sonic, ce sera le Sonic 4. Et que j'ai Ghost 4, que j'ai pu tester un petit peu. Ouais, pour l'instant, j'ai trouvé assez facile. Mais après, voilà, je sais qu'il y a déjà 4 niveaux. Après, on va voir. Donc, je sais que le jeu n'est pas très facile, n'est pas très difficile. Donc, voilà, je verrai quand j'y jouerai. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très 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 bientôt, on se retrouve pour notre vidéo et n'hésitez pas à regarder, aller regarder toutes sur Dailymotion, sur Mad City, sur notre site, je sais pas. Voilà, bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.